Et c'est le retour de la carrière française de Karen, donc que des titres en français. Et en fait, ça a très bien marché pour Karen Cheryl, puisque voilà, cet album s'est très très bien vendu, ce qui fait qu'après, elle a continué en français. Et à l'intérieur, encore une surprise, voilà, un poster de notre cover girl Karen Cheryl, donc qui est très très jolie. On a toujours le logo, on a toujours un cadre. Donc voilà, c'était des beaux 33 tours à l'époque. Mais bon, vu que David a du talent, et ben on lui reprochera pas de s'être fait produire par son beau-père. Donc voilà, un album que j'aime bien. Il y a des versions dans tous les, dans énormément de pays. C'est beaucoup sorti à l'étranger, jusqu'en Afrique du Sud. C'est sorti en Angleterre, c'est sorti au Japon, c'est sorti dans plein de pays du monde cette chanson. Bon bah toute première fois, hein, pareil, un tube incontournable de Jeanne. Un 45 tours rouge et la chanson inédite en face B vient, qui est une chanson que j'adore de Jeanne, et c'est très dommage que cette chanson soit peu connue parce que c'est vraiment une très belle chanson de Jeanne. J'en profite pour préciser que Jeanne Masse écrit toutes les paroles de ses chansons depuis le début de sa carrière. Et c'est tout simplement le dernier album de Kylie Minogue, donc Disco, qui est sorti quand même il y a presque un an maintenant, dans sa version de luxe. Je pense que vous voyez que ça brille, c'est un livret qui est assez joli. Comment je vis la société dans laquelle on vit depuis un an, qui est pour moi clairement un nouvel ordre mondial qui s'est établi pendant toutes les années Macron, c'est que en fait je trouve qu'on a vu une politique d'extrême droite appliquée par quelqu'un qui soi-disant est du centre, et je trouve ça incroyable qu'il n'y ait pas eu de mouvement politique, social, comment dire, culturel, pour admettre que Monsieur Macron est quelqu'un qui fait une politique de droite radicale. Et on a, attention, le 33 tours qui est rouge et qui est, ma foi, très joli. On a la photo du poster qui est reprise dessus. Donc voilà, il y a deux éditions de ce disque. Donc il y en a une normale, entre guillemets, avec un disque noir. Et puis il y a celle-là.